Salut les amis et bienvenue devant la boutique d'Endpoint. Ce matin, on a rendez-vous juste pour prendre 2-3 affaires et on sort de l'hôtel. Et on a rendez-vous à 9h, un endroit bien spécifique, bien sympa apparemment pour chasser le canard. Donc je crois que ce sera sous forme de lever des temps. On n'a pas encore toutes les informations, mais apparemment c'est quelque chose de plutôt sympa. Donc on va mettre en application ce qu'on a appris hier et ce pour quoi on s'est entraîné. Allez, à tout de suite, suivez-nous. The safety and where we're pointing guns are paramount to them. And on vient d'avoir les consignes de tir et de sécurité. On peut tirer donc des tourterelles, on peut tirer les colverts et les siffleurs. Donc j'en ai jamais tiré, ce sera. Et les sarcelles aussi. Ouais, c'est ça. Donc on va se dépêcher. Les consignes de sécurité, c'est juste à part de tirer plus bas de 45 degrés, on a le droit normalement à tirer normalement dans les consignes de sécurité habituelles. Donc c'est parti, je suis bien excité. On doit faire 5 étangs normalement. On verra bien ce que ça donne. J'ai hâte de voir comment ça se passe en Suède. Allez, je vais mettre ça là. 7. Morning. Bon, on arrive, ils nous disent on va sur la mare. Bon, ça ressemble pas trop à une mare, ni même à un étang, ça ressemble plutôt à un lac. Les canards qui volent pas mal. Je sais pas du tout où on va aller. Mais je crois que c'est très bien, je pense. Aaron? Allez, va falloir. Fais-le dessus. Parfait, c'est ça. Dommage. Was man dank? That's it. Là.
ça y est, moi, purée. Droite le gros là. Oui, oui, je le mets. Putain, c'est un régal. C'est super. J'ai toujours le réflexe de garder les. Tendance à fermer un œil au début. Mais en fait, c'est tellement plus pratique de garder deux yeux ouverts. On a un champ de malade. Si tu l'as.
cherche pas à doubler. Regardez là. Là, à droite, à gauche, gauche. Putain, les deux. Là. Super, quelle levée d'étang magnifique. Il y avait vraiment beaucoup de sarcelles au début. J'ai privilégié le tir des sarcelles. Et après, je pense qu'il y a pas mal de jeunes canards qui n'ont jamais été chassés, qui ont tourné un petit peu. Et bon, on a réussi. Je suis incapable de compter combien on a fait, mais ça a plutôt pas mal réussi. Donc vraiment super, excellent. À un bon moment, j'ai fait un super coup. J'ai mis au moins 2,50 m devant. Une sarcelle bien lancée. On va aller voir, il y en a beaucoup qui sont en bordure de bois. Normalement, il y en a au moins trois sur en bordure de bois. On va aller jeter un coup d'œil. Allez, c'est parti. Bon, super content, on a réussi à faire. Bon, comme je vous disais, je me suis vraiment focalisé sur les sarcelles parce que les occasions d'en tirer sont quand même assez rares là où je chasse habituellement. On fait deux femelles et un beau mâle, je suis super content, il est vraiment quasiment fini avec des beaux sourcils verts, j'adore cette espèce. C'est des beaux coups de fusil et franchement, je me suis régalé, je les ai tirés à la cime des arbres là-bas. C'était des beaux coups de longueur, il fallait vraiment mettre devant, ça vole très très vite. Et puis on a fait au moins 4-5 colverts, on voit tout de suite la différence, regardez ça. C'est pas super levée des temps, les chiens travaillent super bien. Ils nous ont retrouvé donc toutes les sarcelles, Marius en a retrouvé quelques-unes aussi. Donc voilà, très content de cette levée des temps. Je suis un bon chien. On a encore des belles choses je pense qui nous attendent. Et voilà, il y a de quoi. Il y a de quoi être heureux, on n'en demande pas beaucoup plus, c'est génial. Il y avait surtout une quantité impressionnante de sarcelles bien délire. Ouais, alors j'étais... The dog has one, again, over there. Ouais. Good, they're a good worker. Yes. Ouais. Congrats. Yeah. Ouais, donc on disait, on était vachement loin au début de l'étang, et ça a commencé à tirer, et il y a une poule de canards qui a décollé, je sais pas combien il y en avait, 200. Ouais, en sarcelles, il y avait peut-être bien 150 sarcelles minimum, c'était impressionnant. Et du coup, on n'était pas posté, donc c'était un peu la panique, j'ai essayé de charger comme je pouvais, mais donc, une fois qu'on a été au poste, par contre là, ça a été beaucoup mieux, j'ai posé mes deux sacs à dos, parce qu'il faut vous dire que pour vous faire des images, on a un paquet de matos, donc c'est compliqué. Mais voilà, une fois qu'on avait tout posé, qu'on a pu charger tranquillement, allumer toutes les cams, voilà, je pense qu'on a dû faire quelques images sympathiques. Allez. Pas trop tarder parce que...
Bravo. Ah, ils sont dessus. Celui-là, Marius. Marius. T'es prêt, Marius? Je suis là, là. Non. Au-dessus. Thank you.
Oh, Melen. Encore sur un autre étang, je crois que c'est le dernier. On a eu beaucoup d'oiseaux, une réussite plus que correcte, je pense. On a fait pas mal de sarcelles. Et puis voilà, donc le dernier, je sais pas trop, à chaque fois on a du mal à s'imaginer où sont les étangs. Ils sont vraiment cachés un petit peu par la végétation et la topographie, mais c'est vraiment beau. Derrière. Bon ben voilà les amis, c'est la fin de la dernière battue, enfin la dernière levée. Et je pense que c'était parmi celles où on a vu le plus de canards, mais par contre on en a le moins tiré parce qu'il y en avait beaucoup qui étaient très bas, qui s'envolaient avec le vent en face. Et ils prenaient pas de hauteur, donc c'était un petit peu compliqué, mais en tout cas il y en avait beaucoup. On s'est régalé, en tout cas, enfin voilà, c'est vrai que ça permet avec l'aimpoint de trouver vraiment rapidement les oiseaux, d'avoir un super swing et tout, c'est vraiment sympa de voir le point rouge derrière. Alors il y a toujours une petite difficulté à jauger la distance, mais une fois qu'on a décroché le premier à telle distance, on enregistre du coup parce qu'on sait exactement où est le point rouge. Du coup ça permet de renouveler la performance, donc c'est vraiment top. Les gens sont super sympas, on a passé un bon moment. C'est hallucinant de voir les chiens travailler, ils sont aussi disciplinés que secs. Sec, pas dans le sens humide, ils sont vraiment affûtés, athlétiques. C'est pas les types de labrador qu'on a dans en général en France. Et vraiment, vraiment très très bien dressé. Du beau boulot. Thank you so much for a very very good job. Après avoir tué autant d'oiseaux, on va aller se confesser, hein ?
Salut les passionnés! Après YouTube, Facebook, Instagram et Rêve de chasse, l'aventure continue désormais avec EmoTV, la plus grande bibliothèque au monde pour ce qui est du film de pêche, chasse, tir en streaming. C'est la nouvelle plateforme à suivre pour tous les passionnés. Vous y retrouverez bien entendu des milliers d'heures de films dont l'exclusivité de tous les Whiteboard Fever et aussi, c'est la grande nouveauté, une nouvelle série sur mes aventures à la chasse. Tout ça, c'est grâce à vous, alors je vous laisse en description des codes de réduction pour vous y abonner et vous ne serez pas déçus. À très vite!